Hey, aujourd'hui, on fait des bruschetta ratoureuses avec Jean-Marc Généreux. Pete and Love. On a une tradition, on n'a pas le choix. Puis en plus, nous autres, ça va souligner notre première rencontre ensemble. OK. On prend un shooter. De sauce à spec. Santé, mon chum. Vas-y, clean. Chum. Et voilà. Le moment est éternisé. Mais qui a fait ça? On est pas prêt, hein? Oh là là, chihuahua, man! Attention, Jean-Marc. Pendant que tu vas couper le pain, c'est toi qui fais vivre ça aux gens d'habitude, mais là, aujourd'hui, c'est nous qui te le faisons vivre. C'est le moment révolution. Révolution? Check this. OK, wow. Wow, on vient de vivre quelque chose. Je capote! Est-ce qu'on va faire ça avec ta super sauce? Oui. Oh là d'où là! Vient nos bruschetta à la ratoureuse? La ratoureuse. On dirait que tu me parles de ma femme. Oui, puis j'en ai connu aussi. Ça vient décidé de la mettre en bouteille. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hey Jean-Marc, on a un point commun même si on se connaît pas. Oui. Moi, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est mes sauces à spag, mes pizzas, mon huile épicée, c'est un projet de pandémie. Toute ta créativité, tu l'as mis sur un livre, au rythme de mes amours. Ouais. Juste le titre est vraiment beau. Quand on sait que le gars est avec sa blonde, quoi, t'avais 9 ans, ouais. 10 ans, 11 ans? Je l'ai rencontré à l'âge de 9 ans, c'est... 9 ans. C'est ma muse, c'est mon rock, c'est tout, c'est ma vie, cette femme-là. Et là, je me suis dit, si je peux parler aux Québécois, ben, je vais leur écrire. Ouais. Et donc, je me suis mis à écrire ce livre-là. Puis ça a été comme une thérapie, un exutoire. Puis ça m'a aidé à passer à travers la pandémie. Puis c'est un regard vers moi-même. Ben ouais. Mais bravo pour ton livre. Merci. Pete, pendant que les croutons ils sont en train de cuire, là... Mais, tu vas pas vouloir me faire danser, toi. Écoute, non, Pete, écoute. À la base, tu sais, pour séduire une femme, un, faut que tu sois drôle. Ça, tu l'es, ça, y a pas de problème. Faut savoir faire à manger. Tu l'as prouvé. OK. Là, faut montrer que tu sais danser. C'est que, moi, un de tes moves, là, ton move favori, là. Tu vois, j'ai de la matière pour travailler avec. J'ai de la matière. Mais tu sais, moi, mais ta sauce, elle s'appelle la ratoureuse. Moi, je voudrais améliorer ton mouvement. Là, ça va être la ramancheuse. Ouais. Il y a des risques dans n'importe quoi, Pete, il y a des risques. Calme, Pete. Un, fais ça. T'es des petits clés, c'est ça. Pan, payant, pan. On se brosse les fesses, on se brosse les fesses. Là, on va un petit peu plus vite. Un petit peu plus vite, un petit peu plus vite. Un petit peu. Et la bruschetta, et la bruschetta. On n'était pas loin de ça, quand même. Tu sais, quand tu dis parfait, c'est parfait. Donc, tu complètes ça avec. Ouais, on va passer le petit dressing. On va commencer à mettre les petites tomates. Les tomates. Mettre des tomates sur un mini morceau de pain. Ouh là là là, oh, oui. Chihuahua! Ça commence à ressembler à des bruschetta, mon bonhomme. Bien sûr, l'assemblage est presque terminé, mon ami. Bien sûr. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Oui. Le moment magique. Oui. Bruschetta. Ouh! Ratoureuse. Yes, sir. Tout tard. Et voilà, quelques petites. La ratoureuse qui va surprendre tout le monde. Oui. Oh, yeah. On s'en prend chacun. Oh, let's do it! On se fait un cheers virtuel. Ouais, wow! Ah. Fait que là, tu comprends le bruschetta. Mm-hmm. Demain, tu vas comprendre la ratoureuse.